Alors le pas alternatif, c'est le pas de base du classique. Donc on peut le décomposer en trois phases. Donc le regroupement, c'est le moment où les pieds sont côte à côte et qu'on a un déséquilibre vers l'avant. Ensuite, l'impulsion, elle doit être longue et vraiment bien marquée. On doit réellement sentir que c'est un moment fort de ce pas. Et ensuite, la phase de glisse, où on prend le temps de glisser, de pousser légèrement le pied vers l'avant. Podium aujourd'hui, quatrième place pour l'Italienne. Et il n'en reste que deux. Il n'en reste que deux, dont votre favorite, Lara Good, ouais. Parce que là, tout à l'heure... J'aime beaucoup, ça, mais c'est un petit peu dans la même lignée que Rebensburg, hein, au niveau de, justement, de l'appui des lignes. Oh oui, mais elle peut prendre beaucoup plus de risques que Rebensburg, hein, parce que vraiment... Elle a une façon de tailler les courbes qui est exceptionnelle. Un ski vraiment hors du commun, Lara Good. Un immense talent. Elle aussi arrêtée par une blessure. On s'en souvient. Mais elle est revenue et je pense qu'elle va revenir cette saison au sommet. Et peut-être dès aujourd'hui, pourquoi pas. C'est bien parti, hein, sur le haut de cette piste. Ouais, elle met beaucoup d'engagement. Sur la première manche, elle a commis pas mal de fautes. Pas mal de petites fautes. Et là, pour l'instant, c'est très très bon. Mais elle a 9 centièmes de retard par rapport à Rebensburg. Et alors là, il va pas falloir que, parce que là c'est vraiment l'endroit où elle a creusé l'Allemande. Hein. Non, non, là j'ai peur que c'est cette petite faute là juste avant le mur. Non, elle a perdu beaucoup de temps, Lara Good, et ce n'est pas le même rythme. Ouais, c'est un peu moins métronome que ce que peut faire Rebensburg. Il y a un petit peu plus de fautes, c'est un peu plus brouillon, mais bon, à ce niveau, faut le dire vite que c'est brouillon. Oui, ouais, c'est quand même un peu. C'est quand même magnifique. En tout cas, c'est plus crispé que l'Allemande. Et derrière, 8 dixièmes de retard pour Lara Good, qui s'incline donc. Deuxième manche. Presque plus propre, j'ai envie de dire, malgré quelques petites erreurs comme celle-ci. Vous voyez, là, elle s'est vraiment bloquée. Juste avant la bleue, vous avez vu un bon coup de patin.